nom c'est Funky, bah, mon nom de plume, on va dire, ou d'aérosol, comme on veut. Mais je suis arrivé en 94 de France. Mes parents sont cambodgiens, je suis cambodgien. Je suis montréalais, le nouveau monde, donc c'est le mélange de ces trois continents au final. Pourquoi les hommes de Cro-Magnon, ils étaient en train de faire de dessiner dans leur caverne? Je sais pas, peut-être c'est dans chacun de nous au fait. Mais que si t'as un crayon ou une bombe ou qu'importe, il y a une traînée et t'as un contrôle sur quelque chose. Je dissocie pas les deux choses, graph et hip-hop. Il y a quelque chose en commun qui est partir de rien. C'est-à-dire il y a les breakers qui partent de leur corps et qui font des trucs de fou. Il y a les graffeurs qui partent d'une canette, tout ça. Ça c'est hip-hop. En gros, c'est partir de quelque chose et le partager avec, justement, il y a des gens qui ont ce même, cette même passion. Et c'est de la création. C'est de la création surtout aussi, ouais. La création. Là, c'est du graphe, c'est dans une galerie, oui, mais le graphe n'a pas commencé dans une galerie. Le graphe, ce qui est cool, c'est que c'est un mouvement qui est parti par des jeunes. Un jeune, je pense pas qu'à 12 ans, dès qu'il trouve une canette, il dit « je vais faire du graphe, j'ai une galerie et les médias vont venir et ce sera cool ». C'est la street, quoi. C'est ce qui se passe dans nos villes, c'est urbain, lui.